Boulogne-sur-Mer? Ça va Boulogne-sur-Mer? Oui. Attends pas. Ça va Boulogne-sur-Mer? Oui. Ça va Boulogne-sur-Mer? Oui. Merci infiniment d'être avec nous ce soir au Boulogne Horror Show 2019 dans la salle des Pipeaux à Boulogne-sur-Mer. C'est vrai que sans vous ici, il n'y a rien qui se passe, donc merci à vous infiniment. Qui est déjà venu au BHS une fois dans sa vie? Levez la main. Okay. Ouais. Qui est venu deux fois? Qui est venu trois fois? Qui a fait le marathon des quatre là? Et bien, franchement, merci. Merci infiniment d'être encore ici parmi nous ce soir. C'est vraiment très très plaisir. Comme vous savez, au programme ce soir, il y a trois films, à savoir Les Griffes de la Nuit, le film donc, de Wes Craven. Après ce film, donc, il y aura une démonstration de jeux vidéo avec l'association Oscope. Ils vous proposeront la découverte du jeu vidéo Never Hiding Nightmare. Et il y aura également aussi la diffusion du film Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, réalisé par Chuck Russell. Après ce film, il y aura ce quiz, un quiz avec plus de 1 400 € de cadeaux grâce à nos partenaires que j'ai cités qui sont là pour cette pratique pour moi. Il y a Oscope, il y a Misunderstood, il y a Wilfried Gobert qui a fait un magnifique tableau du clown Pennywise. Kidding Persing, il y a l'atelier d'image, il y a Elephant Film, il y a ES Distribution, il y a Oh My Gore qui vont proposer des coffrets Blu-ray de Hellraiser, des coffrets Blu-ray de Fantasm, pas mal de DVD de Blu-ray. Cœur de Loup, le contrat de Victor Hugo, YOLO et AXA pour les assurances au cas où si Freddy vous griffe, vous irez faire des réductions. Voilà. Cette année, nous avions aussi voulu vous proposer de voter pour le troisième film et vous avez voté donc sur le site du cinémaclubfr.fr pour le film Une nuit en enfer. Donc c'est ce qui sera donc projeté à la fin de la soirée, le film de Robert Rodriguez. Et on vous demandera juste de rester assis et on vous offrira donc les cadeaux que vous aurez gagnés lors du quiz. Je rappelle le quiz, plus il y a de bonnes réponses et plus il y a de cadeaux à gagner. Comme chaque année, les films seront entrecoupés donc de post-clop, de post-pipi, et aussi donc les boissons et les confiseries offertes donc tout au long de la soirée et les viennoiseries à la fin de la soirée, de la nuit. Mais surtout, c'est remercier toutes les associations qui sont là donc depuis mars, parce qu'on bosse, on bosse sur ce BHS depuis mars. Et donc on se voit voilà, quasiment tous les mois, on propose des animations, on propose des films, le thème, etc. Et donc je voulais beaucoup remercier, on peut vraiment tous les applaudir, c'est l'association Oscope, l'association Pierre-Mission, Morgane, Sudan qui a fait un travail remarquable pour le maquillage, bravo. Bravo. Vraiment merci à tous, je voudrais sans vous aussi, n'oubliez pas. Le BHS, c'est Arnaud aussi et Régis qui sont là, les piliers avec moi donc, de cette manifestation Halloween. Et aussi le soutien, surtout sans faille, donc, de la ville depuis 2016, depuis qu'on a créé ça. Donc, c'est vrai que Mireille Ingres-Sereda et le maire de ce pilier nous soutiennent aussi vraiment très très fort. Et aussi grâce à eux, ce BHS existe. Avant de commencer à envoyer le film, comme chaque année, pour ceux qui connaissent le SAD, des parrains, voilà, des acteurs américains, des réels américains ou français, nous envoient à destination exclusivement pour vous, des vidéos, voilà, où ils parlent un peu donc, de leur carrière ou un peu donc, des films qui seront projetés ce soir. Donc il y a Olivier Alfonso. Je ne sais pas si vous connaissez, il est plutôt donc, c'est vrai, dans l'ombre, parce qu'il est maquilleur effets spéciaux. Il a bossé donc pour le film Grave de Julia Ducournau, il a bossé aussi pour le film Leatherface, plein d'autres films aussi, Lucie de Lubesson. Et il a donc réalisé le film Girls with Balls, qui est sorti donc sur Netflix en été dernier. Il y a aussi Brittany Allen, celle qu'on a pu voir dans Tixo, et aussi dans le très bon What Keeps You Alive, qui nous a fait une petite vidéo aussi. Et à la fin, Josh Stolberg, notre parrain du BHS 2, a voulu donc revenir sur une petite vidéo en vous remerciant encore d'être présent aussi au BHS, même si eux ne peuvent pas l'être.
Donc on peut les applaudir aussi vraiment beaucoup parce que c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ces parrains avec nous. Et juste pour finir, avant la vidéo, avant le film Les Rives de la Nuit, il y aura une petite vidéo donc, de Morgane. Morgane et son ciné, c'est un youtubeur lyonnais qu'on adore et qui est venu aussi tout au long donc, des éditions du VHS. Il va donc vous présenter le film Les Rives de la Nuit sans vous spoiler. Et donc voilà, en tout cas, merci encore infiniment d'être là ce soir. Sans vous, hein, il n'y aurait pas de VHS. Donc passez une excellente nuit et à très vite. Merci encore. Film Festival International du Monde des Films d'Horreur. C'est très nul ce que je viens de dire. J'arrive pas à repérer, il y a pas cette panneau ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait dû croiser l'international il y a au moins une heure. Ces demoiselles et moi-même voudrions une chambre pour la nuit. On va accoucher de nouveau, quoi. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée avec une très belle programmation, des super films, voilà. Je fais des tests en même temps. Voilà, donc je ne peux pas être là, malheureusement, donc j'aurais aimé être parmi vous. Donc si vous voulez me voir et tout, parce que vous me trouvez irrésistible. On se prend une soirée avec des repas aux chandelles, tout ça. Très bonne soirée et encore merci et vive le Boulogne Horror Show. À bientôt. Je vous fais des bisous, bonne soirée. Hi Boulogne Horror Show. I'm Brittany Allen. Thank you so much for having me be your godmother at this year's night, this year's celebration. I wish I could be there with you guys. One of my favorite things about making these films that I've been a part of in the horror genre in particular is the chance to travel around to different cities and different countries that I've never been to and meet fellow horror filmmakers as well as the audiences that come out to enjoy these films. I just feel like it's a great community of people who all have a slightly left of center take on reality, and that's something that really resonates with me, and yeah, so I hope you guys have an awesome night. If you haven't seen some of the films that I've been a part of, you should definitely go check out What Keeps You Alive. I made that with my partner, Colin Minahan. Acted in it and scored it, and It Stands to Stands Red we also made together. More recently, Jigsaw and The Prodigy have some wicked death scenes in both of those, and not to give too much away, but yeah, I am sending all my love from sunny and far too hot Los Angeles, and I hope that I get to make it out to you guys sometime. But in the meantime, all the best. Bye. No.
Columbia Horror Show 2019. Happy Halloween. My name is Josh Stolberg. I am one of the writers of Sorority Row, Piranha 3D, Jigsaw, and the upcoming Saw film that is being released in May 2020, starring Chris Rock and Sam Jackson. I am so excited to be here with you. I really wish I was with you in the theater, because there is nothing better than seeing a horror movie in a movie theater, in a dark theater, where you're sharing the laughs and the jumps and the surprises and the screams with a whole bunch of strangers sitting around you. It's the way that horror movies are supposed to be shown. They're not supposed to be seen in your home on a TV screen or on a cell phone in bed. No, they're supposed to be seen in a movie theater, and that's why I am so happy that this festival happens every year, and I am really pleased to be a small part of it. You are going to be seeing some amazing films tonight. You've got, one of the greatest of in the horror genre, Nightmare on Elm Street, Wes Craven's film. It was one of the films that made me want to get into horror films. It really, really is just absolutely incredible. You're also going to be seeing, I think, one of the better of the sequels, Nightmare on Elm Street, Dream Warriors. Wes Craven came back to write. Yay, Wes. But it also has, like, Frank Darabont is one of the writers on this film. And The Mist and Walking Dead, Shawshank Redemption. I mean, it is a really, really cool film. And it was directed by Chuck Russell. For those who don't know The Blob, that's a great little smaller film that not a lot of people know, but it also stars Shawnee Smith, and she was in the Saw franchise as well. Chuck Russell was actually attached, not many people know this at all, but he was attached to direct my Piranha film before Alice Aja stepped in. But he seemed like a great guy, and he did a great job with the sequel Dream Warriors. So I'm sure you're gonna like that, and you get to see Till Dusk, Till Dawn. Robert Rodriguez is just a master of this genre, and I am so excited that you're all there. I'm so bummed that I'm not with you. I would be screaming the loudest and also laughing the loudest in the theater with you. I really hope you have a good time. Thank you for letting me be a small part of this, and I hope you have a great time. Go Freddy. Un film réalisé par Wes Craven et qui a donné vie au croque-mitaine Freddy Krueger. Welcome to my nightmare. Et si vous avez déjà vu le film et que la présentation ne vous intéresse pas, bah vous n'avez pas le choix. Vu que vous êtes dans une salle de cinéma et que les organisateurs vous ont enfermé. Coucou les claustros. Alors que moi, je suis en pleine nature, donc comme tu le vois, je peux me déplacer comme je veux. Oula. Je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai entendu un bruit. Très bizarre, c'est pas rassurant. Du coup, on va se barrer ailleurs parce que j'ai un petit peu peur de me pisser dessus. Je vais essayer de ça vous arrive aussi. Voilà, je pense qu'ici, on est bien. Alors, où j'en étais? Oui, réalisé par Wes Craven, que vous connaissez certainement pour avoir fait La Colline à des yeux, La Créature du Marais, ou encore Scream et ses suites. Et si vous avez perdu votre temps avec Un Vampire à Brooklyn,
je te compatis. Cœur avec les doigts. Pour les griffes de la nuit, Wes Craven se serait inspiré d'un fait divers qu'il a lu dans le New York Times. L'article parlait du décès d'un homme insomniaque qui se privait de sommeil par peur de mourir en dormant. Rien que ça, ça ferait un super film psychologique. Mais Wes Craven a préféré ajouter un pédophile mort qui hante les rêves. Tu veux des chocobons? Ah tiens, oui, merci monsieur, c'est gentil. Mais putain, c'est qui ce qui? Bon, on va quand même le manger, je fais comment, hein? Pourquoi pas? Après tout, on me l'a donné. Ouais. Bah, vous savez quoi, c'est la meilleure bouffe dans un pédophile. Donc, le film est sorti en 1985, et au casting, on retrouve Heather Lankin dans le rôle de Nancy et Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger. Et puis, c'est tout. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un zombie qui vient de me dire qu'il y a aussi la première apparition de Johnny Depp. Et je viens bien de dire qu'un zombie vient de me dire que putain, c'est quoi ce parc? Bon, faut vraiment que je finisse cette vidéo plus vite, parce que là, je me suis vraiment pissé dessus. Je vais vous dire une fois, ça vous arrive aussi. Pour ce qui est de la musique, elle est composée par Charles Bernstein, que vous connaissez peut-être pour Cujo, l'adaptation du livre de Stephen King, ou encore Look What's Happened to Rosemary's Baby, un téléfilm qui s'avère être la suite du Rosemary's Baby de Polanski, et dont je suis certain que vous ne connaissiez pas l'existence. Même Polanski ne doit pas le savoir. Charles, personne qui dit le contraire est un hypocrite. Charles Bernstein a travaillé sur beaucoup de films, mais la plupart ne sont pas connus en France. Même Wikipédia n'a pas de fiche pour ces films. Et petit conseil maison, les musiques des Griffes de la Nuit sont vraiment idéales si vous êtes en train de tuer des bébés. Message approuvé par Véronique Cofot. Et pour finir, ce film a donné vie à une saga avec des opus plus ou moins longs, parce que les producteurs ont demandé une fin ouverte alors que Wes Craven n'en voulait pas. D'ailleurs, il existe plusieurs fins alternatives. Putain, mais c'est quoi ça? Non! Non, non, s'il te plaît, non! Putain, je crois que je vais crever, je crois que je vais crever. S'il vous plaît, si quelqu'un peut monter cette vidéo pour ces connards pour le New York Show, parce que je suis pas venu ici pour mourir comme un connard, pour faire une vidéo de et puis aussi, le film de 2010, là, produit par le Capet, c'était vraiment un cadeau à vous faire. On peut encore les applaudir, Frédéric. On proposera
si vous voulez un karaoké, un duo. Trouvez-vous un duo et on fera un karaoké tout à l'heure, s'il vous plaît. En tout cas, on va demander de meubler un peu l'escargon. C'est-à-dire que Freddy sort son album, qui s'appelle J'ai encore les réveillettes. Il y a, voilà, donc, il y a un petit extrait tout à l'heure. Elle sera juste en concert au Trip Postal de Lille le 1er novembre. Elle sera aussi le 14 décembre au Stade de France de Longness. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et il y aura aussi une sorte de dédicace après le second film. On pourra vous donner donc des affiches, où elle pourra signer ou faire une petite griffe, si vous voulez. Et donc voilà. Qui a vu le film Les Gris de la Nuit? Levez la main. Oui, bon. Pas beaucoup quand même, en fait. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas vu. Qui a vu le remake? Levez la main. Non, mais c'est un peu trop la main. On va vous laisser avec le film. En tout cas, encore merci beaucoup d'être là présent parmi nous. Et de toute façon, on se dit donc à tout à l'heure. Merci beaucoup encore. Merci.